Bon, on a preuve que ça marche. Ok, je vais vous relancer. Ah Enfin, non. Pourquoi je dis re? C'est l'habitude de tout le monde en fait. Du coup, je faisais des coupages, des tournages à la suite. Du coup, je disais à chaque fois re et je faisais pas une intro propre. Hey! Salut tout le monde, c'est Hyper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien grave avancer dans Resident Evil 0, quitte à en être quasiment à la fin, comme ça la semaine prochaine on le termine. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on est dessus, je me rends compte. Et voilà, alors déjà, je me suis rendu compte des erreurs que j'ai fait la dernière fois. Bon. 3, 8, 5, voilà. Alors. Voilà, donc ça, c'est pour améliorer le pistolet. Il me semble qu'il n'y a qu'un pistolet sur les deux qui peut être amélioré. Alors. Enfin, il me semble. Ah non, ça marche avec l'autre aussi. Ah, cool. Ils ont bien fait leur truc. Du coup, j'avais déjà pas fait ça. Ensuite, l'énigme qui est juste derrière, on peut la faire. Chose que je. En fait, je pensais pas, mais on peut la faire, effectivement. Ah, en fait, faut gagner de la place. Hein. Resident Evil, c'est aussi ça. Et aussi, un truc qui est très con, c'est que genre, je risquais ma vie à y aller avec les deux, alors que je peux en fait très bien. En laisser un de côté en fait. C'est-à-dire faire l'aventure mais tout seul. C'est faisable. C'est complètement faisable, mais j'ai oublié de le faire. Enfin, je pensais. Enfin, pas que je pensais pas, c'est que j'ai oublié qu'on pouvait le faire. Je suis habitué à des Resident Evil, genre Resident Evil 5 ou 6, où en fait t'es obligé de te ratatiner ton mec à chaque fois. Alors. Donc ça c'est une énigme à la con. Six âmes emprisonnées par les chaînes de la mort, raviver la flamme de la vie dans l'esprit des faibles. Et là justement, je ne sais pas. Faut faire ça avec Billy déjà. Mon règne est total. Aucune créature ne peut m'échapper. Donc lui c'est le plus fort. Et d'accord. Le serpent. Si j'arrive à cliquer dessus. Je m'approche de mes victimes à pas de loup et j'assujettis le plus puissant des rois avec mon poison. Donc le serpent serait le plus fort. Debout de toute ma hauteur, j'aborde fièrement mes cornes. Ah si, c'est une question de logique. Pour moi, le serpent, ça serait clairement le plus faible. Parce qu'en soi, il s'est écrasé, et voilà. Mais le serpent, il est quand même au-dessus. Enfin, il est quand même ce qui est en dessous. Bah là. La biche, merde. Je fais n'importe. La biche. Pour moi, elle est après. Voilà. L'aigle, non, l'aigle il vole, il a un avantage de ouf. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi! Donc comme j'ai dit aujourd'hui, l'idée est de finir ce putain de jeu. Enfin, d'avancer un maximum dans le but de le finir très prochainement. On va dire ça comme ça.
fait que ça marche. Dans l'esprit des faibles. On est d'accord que le plus faible dans le tas. Ah bah non, le plus faible, ça peut être que la biche. Est-ce que la biche, elle a rien pour se défendre? Donc du coup, le serpent peut ken la biche avec son poison. Mais ce qui ken le serpent, en fait... Non, je crois que je me suis trompé. En fait, je crois que j'ai une petite idée. Suis pas sûr, mais il me semblerait que j'ai une petite idée à ne pas piquer des hannetons. Alors. Moi, pour moi, c'est très simple. En fait, la biche, elle est faible en soi. Est-ce que c'est généralement dans la chasse, voilà. Tu sais, ça me semblerait logique que le cheval soit au-dessus. Ah non, le cheval, il est... Attends. Ensuite, il y aurait le serpent. Ensuite, il y aurait le vautour. Je sais pas si c'est un vautour, mais j'en ai rien à foutre, on n'est pas dans un zoo. Voilà. Ensuite, du coup, ça serait le loup. Parce qu'un loup ne ken pas un tigre quand même. Donc en fait, ce qui semblerait plutôt logique, c'est que le cheval soit le plus faible. Avec ma rapidité, ma souplesse. Non mais genre en fait, si ça se trouve, je fais pas. Si ça se trouve, je fais. Faut faire ça par rapport à une question de taille en fait. Parce que c'est vrai qu'un serpent, c'est pas toujours qu'un serpent tue un tigre quoi. Donc attends, ça voudrait dire que ça serait ça. Ça. Je sais qu'elle est faisable, hein, l'énigme, hein, je l'ai déjà vu. Enfin, j'ai vu quelqu'un la faire. Hein. Parce que moi, en fait, de base, je pensais vraiment qu'elle était pas faisable. Je pensais vraiment que il fallait quelque chose d'avant. Mais au final, ça nous mène à quelque chose pour continuer, justement. Donc c'est très important. Mec, à la fin il aura plus d'essence dans son briquet. Bon, le briquet est plein d'essence, ok. Merde. Mais s'il te plaît, putain. J'en ai marre des énigmes à la con comme ça. Ah. Au secours! Pour moi, le plus faible, ça serait le cheval ou la biche. Parce que le serpent, il a un poison. Donc pour moi, tu peux pas le caser ça dans la case des plus faibles. Putain, on vient de commencer, je suis déjà en galère. Ça, faut le faire. Parce que la biche, elle a des défenses. Elle a des cornes pour se défendre. Donc en soi, ça me semble plus logique que... Voilà. Mais au-dessus d'eux, il y a... Ça. Au-dessus du serpent, vu qu'il est dans les airs et qu'il peut pécho, j'ai déjà vu des oiseaux pécho des serpents. Parce que j'habite en Amazonie, voilà. Voilà, il y a ça. Si ça me semblerait logique. Ma vivacité d'esprit fait un bout des bêtes et plus féroce. On ira le cul.
Attends, mais ça se trouve, en fait, dans les écritures, il y a un énigme. Donc lui, on est d'accord, c'est le dernier, le tigre. Dans tous les cas, le tigre, c'est le dernier. Pour moi, je mettrais le loup derrière. C'est logique. Le cheval, il dit qu'il a, il est rapide. Et sa souplesse. Donc en fait, ça se joue entre les quatre putains de là. Faut réfléchir d'une manière plus conne, en fait. J'arbore fièrement mes cornes, ça veut dire qu'il est sans défense, il a rien à prouver. Donc ça veut dire qu'en soi, le plus faible, c'est lui. Ensuite, ça veut dire que ce soit lui. Ensuite, le serpent, forcément, il est au-dessus des deux. Parce que le serpent, s'il vient, il les empoisonne, les autres, ils ont rien capté. Mais le serpent, ce qui est au-dessus de lui, c'est les pigeons, c'est les piaf. Parce que les piaf, forcément, ils volent, ils les prennent avec leur serre, et puis voilà, c'est fini pour eux. Ensuite, techniquement, bah, il y aurait le loup, hein, ça me paraît logique. Et pour finir, bah, en fait, il y aurait le lion. Tu veux me dire que le plus faible c'est lui peut-être? Ah putain, je crois que j'ai compris. Ok. Alors si c'est ça, c'est vraiment Capcom, les Japonais ont une logique de merde. Parce que vraiment, ça aurait aucun putain de sens. Toi, ton règne est total, donc toi, t'es au-dessus, c'était le boss. Toi, tu dis que ta vivacité d'esprit peut rivaliser, donc toi, à mon avis, t'es l'avant-dernier. Ça me paraît logique. À moins que le serpent. Ça se trouve, le serpent, en fait, il est deuxième. On est marre. À mon avis, je. Attends. De toute façon, on est pas. Hein. C'est une des énigmes les plus merdiques que je me souviens dans un RE en fait. Vraiment, je me souviens pas qu'il y ait une énigme aussi merdique dans un autre RE quoi. Parce que vraiment là, c'est pas logique du tout. Parce que pour moi, en soi, on est d'accord que le cheval, pour moi, est plus faible parce qu'il a pas de défense. Lui, tout ce qu'il peut faire, c'est courir. La biche, ce qu'elle peut faire, c'est courir, mais elle peut aussi se défendre avec ses bois. Ce qui serait au-dessus des deux là, ça serait forcément le serpent. Parce que le serpent, il peut piquer. Ne me dis pas que le serpent est tout en haut. Ensuite le piaf, ensuite le loup, et ensuite le tigre. Moi, pour moi, c'est une question de logique.
À moins qu'il faut faire dans le sens inverse. Ça se trouve, faut finir par les faibles et pas finir par les forts. Oh, j'en ai plein le cul, Solus. Hein. Merde. C'est bon. Il est quand même pas me faire chier à dire. Non. Go down and around. Alors c'est cerf, loup, cheval, tigre, serpent, aigle. Ça m'a blasé. Cerf, loup, cheval, tigre, serpent, aigle. On va voir si c'est une mort de ouf. Cerf, loup, cheval. Mais de toute façon, j'en étais sûr que le cerf c'était plus faible en soi. Après le loup. Parce que. Mais non, mais le loup il dédie. Attends. Possible. Tigre, serpent, aigle. Dégage, tu me fais chier. Voilà, tu me fais chier, dégage. Putain, l'ordi qui te suit même pour 2 cm. Ta mère. Moi, c'est pas logique ça. J'en suis sûr que même Kraken confirmera quoi. Go down and roadie. Go down and roadie. Go down and roadie. Ah. Ce qu'il y a à l'intérieur, connard. Voilà. Donc en fait, il y avait déjà une plaque. Je sais où est la dernière plaque et on pourra aller dans les laboratoires. Donc on est y est bientôt. Bientôt, bientôt. Il me semble que la salle au fond, elle sert à rien. Mais je vais quand même y aller parce que curiosité.
C'est bon. Est-ce que je disais ça à rien? Sur quoi le directeur Marcus travaille-t-il tout le temps? Et pourquoi s'intéresse-t-il tant au sangsue? S'intéresse. On dirait qu'il en est amoureux parfois. Selon certaines rumeurs, les sangsues seraient dangereux. C'est vrai que le jour où Denis en a touché une, il a attrapé la fièvre. Aujourd'hui encore, il y avait ces horribles grognements derrière la porte. L'eau qui dort, je ne m'en approchais pas. Même si le directeur me le demande, je ne veux pas finir comme Denis. Pauvre gars, il se gratte tout le temps. Rien qu'à le voir, ça me démange. Dois peut-être partir si je peux, mais comment? Denis est parti, je pars. Enfin, au secours, maman. Et en fait, c'est pour ceux qui se souviennent, dans Resident Evil 1, en fait, il y a quasiment le même journal. Sauf que c'est le journal, hein, il me semble, du garde ou une connerie du genre. En fait, là, ça, dans Resident Evil 1, ça racontait l'histoire d'un mec qui se transformait en fait en zombie. Et à la fin, il parlait d'un pote qui, au final, il a bouffé. Et genre, en fait, en zombie, avant que tu te transformes définitivement en zombie, tu peux encore écrire. Mais t'écris juste fin. Voilà. Du coup, enfin, pas la fin F-I-N, hein, mais la fin F-A-I-M. Du coup, là, c'est à peu près pareil. En fait, en touchant les sangsues, ils ont été contaminés. Et ça fait que... merde. Et ça fait que... Eh bien, bah, ils se sont transformés en fait. Donc maintenant, on peut aller là où on voulait aller la dernière fois, c'est-à-dire à la clé de l'autre pièce là. Mais j'espère, je sais pas. Il me faudrait en fait quelqu'un qui soit un vrai connaisseur de Resident Evil 0, parce que là, franchement, je m'y connais pas du tout. Je l'ai fait une fois le jeu, histoire de le faire quoi. Mais genre un mec qui connaisse vraiment le jeu, qui vienne et qui me dise, ouais, j'en suis à où à peu près. Genre pas qu'il me dise, ah, t'en es même pas à la moitié. À mon avis, j'en suis à plus de la moitié. C'est juste que, attends, il me reste une place d'inventaire. Je sais que là-bas il y a des herbes et tout. Ouais, on va le faire. Du coup, je sais. Je sais très bien. Que. Là où je vais, c'est la mort. Mais. Pas le choix. Ne vous inquiétez pas, j'ai une strat. J'ai une strat de génie pour passer le truc. Vous allez voir, tout va bien se passer. Du coup, je disais quoi encore? Ouais, vraiment, j'espère que je suis plus de la moitié du jeu. Mais normalement, oui, parce que il me semble que les labos sont pas si longs que ça en fait. Si j'en ai le souvenir, si mes souvenirs sont bons, il me semble que vraiment les labos c'est. En fait, la strat c'est d'y aller un après l'autre. Mais je vais quand même y aller avec elle. Parce qu'en fait, j'ai un objet à récupérer. Et cet objet est quelque part dans la pièce où il y a un de ces saloperies de merde. Voilà, c'est là. Mais non! Excusez ce moment de jouissance intense, mais...
crois que je vais y aller avec lui. Parce qu'en soi, vous l'avez vu, là, il était stun parce qu'en fait, il se transformait. Donc ça veut dire que s'il se transforme, en fait, il a une période, on va dire, un peu d'inactivité où en fait, il est comme ça en train de. Et du coup, c'est mieux si j'y aille avec lui. Go down and rollie. Go down and rollie. Go down and rollie. Il me semble qu'en plus, c'est dans la pièce du fond. Genre, c'est dans, serait dans celle-là à droite, il me semble. Ouais. Alors, attendez. Parce que j'ai regardé la dernière fois un mec qui jouait, hein, parce que je regarde des vidéos aussi. Là, en fait, c'est la pièce du piano. Il y a quelque chose à faire aussi. Donc là, c'est la pièce du piano, il y a quelque chose à faire aussi. En haut, là, avec l'espèce de cercle gris, en fait, c'est là où il y a le dernier médaillon, en fait, à récupérer, avec la valve que je viens de récupérer. Mais il y a des zombies là-bas. Et la dernière... et en fait, la dernière pièce grisée, là, en fait, c'est là où il y a un spray et une herbe verte plus une herbe rouge. Donc, en fait, ça pourrait soigner à full mes deux personnages. Donc, mes deux personnages seraient full life, en fait. Du coup... Mais le souci, c'est que dès que tu sors de cette pièce où t'es full life, et en fait, il y a un de ces fils de pute qui sort et qui est dans le couloir. Donc, du coup, en fait, c'est dangereux. Ensuite, c'est pas fini. Il y a des choses à récupérer dans la pièce grisée où il y a le piano. On y était la dernière fois. En fait, faut pas faire jouer Rebecca, faut faire jouer Billy. Et Billy, en fait, ouvrira la pièce. Rebecca récupérera un objet. La pièce se refermera, Billy devra rejouer du piano pour que la pièce se rouvre. Du coup, jouons la stratégique. Stratégie. Stratégie. Si je vais dans la pièce du piano, ça va juste bourrer mon inventaire, ça servira à rien. Je pense que je peux y aller en dernier. Mais il faut que mes deux persos aillent dans la pièce du piano, donc il faut que je sois potentiellement full life. Donc il faut vraiment que j'y aille au piano en dernier. La pièce où il y a récupéré le truc, ça peut être tricky d'y aller avec un mec qui est en danger. Même si c'est des simples zombards, on sait jamais. Après, d'aller soigner Billy, je pense que ça va trigger le dernier et ça va me foutre dans la merde après pour Rebecca. Donc je pense que je vais d'abord aller dans la pièce avec les cercles ronds, puis dans la pièce, en fait, avec Rebecca, je vais passer dans le couloir. Je vais aller dans la pièce avec Billy. Ensuite, on ira ensemble. Dans la pièce avec les sprays, on se soignera et ensuite on ira dans la pièce du piano. Bon plan. Bon bail, mon sauce, mon bail. Bon bail, mon sauce, mon bail. Ça va passer, ça va passer. C'est un plan réfléchi. Voilà. C'est vraiment des putes quand même, les devs. Pousse-toi! Le machin, il se met au milieu du couloir. Oh putain, par contre, il est vraiment. Vaut mieux que j'aille me soigner avant. Alors, du coup. J'ai dit j'allais au fond. Voilà, donc là il y a des zombies. Comme prévu. Maintenant celui-ci. Ah là, il y en a un là. Sale fils de pute. C'est tricky de faire ça quand t'es en danger. Vraiment! Je suis vraiment suicidaire parce que franchement, on a déjà pu? Non, c'est une blague. Ah si. Mais non, pas ça vous le faire. On est d'accord, je lui ai filé la valve. Ouais. J'allais pleurer. J'ai toujours mon compteur de mort au passage. Hein. Il est là. J'en suis à 10. Et le compteur de mort, je dirai le résultat final à la toute fin du marathon. Donc c'est-à-dire vraiment... bah à la toute fin. Et voilà le dernier symbole. L'obéissance. Alors... Du coup,
j'ai trop peur. Prions Jésus, Marie, Joseph. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tout ce que tu veux. J'ai pas envie de recommencer. Non! C'est dégueulasse! M'en fous, je vais me soigner après, mais. Mais c'est bullshit, quoi, putain. Je suis en danger aussi, obligé. Ah non, mais pas. This way. Roger. La meuf, comment elle s'est TP? Ce serait bien aussi que ce soit les mêmes personnes qui aient les deux symboles. Voilà. Je me soigne Billy avec le spray. Ah, je suis con, j'aurais pu l'utiliser, je peux. J'ai pas envie de faire avec les deux personnes. Alors, désolé si je marmonne une chanson, c'est en fait la chanson du trailer de Resident Evil 7. Elle est, je trouve le trailer de Resident Evil 7, enfin le premier, juste génial. Et en fait, la musique qui va avec, elle est, je la trouve ouf en fait. Voilà. Ça, c'est, par contre, c'est pratique. Le raccourci là qu'ils ont mis, c'est vraiment pratique. Parce que du coup, tu peux faire des. On va direct l'utiliser par sûreté, vraiment. Toi, t'as quoi? Du coup, total les deux symboles, ok. Je vais rester avec elle. Allez, les cartouches acides, ça devrait lui faire bobo. Alors, juste 2 secondes. Petite pause. Prière. Petite pause prière. Et aussi petite pause que on parle en même temps. Et du coup je réponds quand même à un message. Puis de toute façon après faut que je boye un coup. Donc voilà, je coupe le micro 2 secondes. Hop.
Merde, du coup j'ai caché le chat comme un con. Oui, je sais. Mais non, ça fout. Voilà. Alors, j'ai fait ma prière, ça y est. Si vous posez des questions, c'est pourquoi je garde Rebecca le plus souvent. Simplement parce qu'en fait, Rebecca, c'est. Je suis pas macho, mais c'est la plus faible. C'est Capcom qui l'a dit, c'est pas moi. Bien! du coup, oui, Rebecca, c'est la plus faible. C'est-à-dire que dans les combats, c'est Billy qui est meilleur. Mais... Esquive! Bitch! 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 Excusez-moi, je me suis emporté. Bitch! Voilà, c'est bon, je suis sauvé. Du coup... Ah merde, j'ai oublié la pièce du piano. Bon, aucun des deux s'est fait toucher, je peux me permettre d'y retourner. Au pire, il y en a un qui sera en attention. Au pire, il y a les deux qui seront en attention. Au pire, je vais mourir lamentablement et je vais devoir recommencer. Désolé. Je sais pas, tous ceux qui ont connu les anciens Resident Evil, ce pamage de la touche croix. Quand tu t'approches d'une porte et qu'il y a quelque chose qui est à côté de la porte, c'est. Let's split up. Roger. Franchement, c'est. Tous ceux qui ont connu ça, c'est magistral. Tu t'es un coup à défoncer ta touche, hein. En fait, j'y pense. Si c'est Billy qui prend l'objet, en fait, c'est game over. Donc là, déjà, vous voyez des balles, petites balles de Magnum. Si j'arrive à les prendre. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est la batterie. Et cette batterie, eh ben, en fait, elle en a besoin à l'extérieur du manoir, si vous vous souvenez bien. J'en ai ras le cul, j'ai une vie de merde. Alors, est-ce que je peux t'échanger des trucs dans la même pièce? Non, putain. Et là, je peux t'échanger des trucs. Et là. Oh là là, ça me fait tout un sketch pour une... Donc on va sortir dehors et on va pécho la caisse avec l'ascenseur. Quoi? Mais... Quoi? C'est dégueulasse!
Le mec. Voilà, je l'ai dit, j'étais en attention, ce serait sûr. Bref, c'est pas grave. Attention, encore ça va. Là, c'est le premier stade d'attention. C'est potable encore. Bref. Voilà, comme je disais, on va d'abord aller dehors. Donc, c'est par là. Oui, en haut, il y a toujours les insectes. Du coup, c'est pour ça que je vais y aller les un après l'autre. Parce que si vous vous souvenez, en fait, il y a quelque chose en haut là. Et on aimerait bien savoir c'est quoi. Et la solution, en fait, est là. Split up. Roger. Je l'avais poussé contre le mur, j'étais baisé de chez baisé. Non, quoique si tu la pousses contre le mur, en fait, t'aurais juste à sortir, à revenir. Je crois qu'il marche. En fait, le jeu marche comme Resident Evil 1, c'est-à-dire qu'en fait, si tu commences une énigme et que tu la termines pas, que tu sors de la pièce et que tu re-rentres, l'énigme est reset. Donc en soi, c'est pas trop grave si tu te plantes. Au contraire. J'ai jamais aimé pousser des objets dans Resident Evil, je trouvais que c'était tellement pas. C'était tellement chiant déjà. Allez, pousse. Pousse! Pousse! Bah, il est là le troisième. Putain, en fait, j'avais pas les trois. Ça, c'est grave, ça. Ok. Come on. Roger. Viens plus vite! Qu'est-ce qu'il fout là, ce putain d'objet? Qu'est-ce qu'il fout là? Sérieusement, quoi. C'est un mystère. Go, tell everybody. Go, tell everybody. Oh, le fils de rat.
Ok, nickel. Prends les munitions. Voilà, donc maintenant on a les trois. J'espère qu'il ne faut pas les mettre dans un ordre précis en plus. What the heck? La vache. Et du coup là, il me semble que on peut plus retourner en arrière. Si je dis pas de conneries, en tout cas, c'est ça. Je vais les voir, tiens. Ah si. Tu sors où alors? Oh non, pas vous encore. Ah, d'accord. Dégage. Et l'autre, vu qu'elle s'est fait toucher, elle va pas venir. Et voilà. Ah, c'est vraiment un jeu de merde, la tête de ma mère. Lâche-moi! Putain, jeu de merde, quoi. C'est vraiment, Dieu dit un jeu de merde. Voilà. Ces gars avant j'étais en attention et voilà, à cause d'une putain de curiosité de merde. Je me retrouve en danger encore une fois. Donc là on est dans les labos. Et là on va tomber sur des bonnes petites saloperies encore une fois. Ça va être marrant. Là-bas. Il y a rien. Attends. You stay here. Wesh, ça va où ça? C'est super pratique pour les courses, ça. Hein. Chérie, tu peux le mettre sur la dalle, s'il te plaît? Non, mais sérieux. Faut que je... Mais oui! C'est sérieux quoi. Mais j'ai bien fait d'y aller avec lui. T'as pas trouvé une solution pour l'aider. Ah, il y a peut-être quelque chose à pousser. Il y a sûrement quelque chose à pousser. C'est pas possible. Ah non.
Oh, une musique de sauvegarde. Mais je fais comment pour la faire rentrer, l'autre conne? Non mais sérieux. Je veux bien ta sauvegarde. Ok, cool, mais... Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc, il doit y avoir un truc. Alors, je suis saoulé. Non mais vraiment, j'ai pas une putain de... Il y a un truc à faire, c'est pas possible. Genre la porte, elle... C'est quoi cette... C'est quoi cette flèche là? Il y a forcément un truc à faire. Il y a forcément un truc à pousser, c'est pas possible. Ah non, il y a des escaliers, donc non, c'est mort en fait. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a un personnage qui... Qui est baisé, qui peut rien faire. Ah, en fait, c'est juste pour aller sauvegarder. Ah bah oui, c'est vrai. Non, il y a un truc. Je vais pas faire le jeu avec une soluce à côté, déjà pour l'énigme à la con de tout à l'heure. Je vais me servir d'une soluce, mais là non quoi, quand même pas. Bon déjà on va sauvegarder. Ça me fait chier de sauvegarder comme ça, mais j'ai pas envie de tout me retaper. Oui, j'ai envie de prendre les grenades de napalm, ça va me servir par rapport aux autres fils de pute. Oui, j'ai envie de prendre des munitions de fusil, ça va me servir pour les autres fils de pute. Cette haine, mais cette haine du jeu, quoi. Le jeu t'aime pas. Ça, il te le dit direct. Oui, enregistrer les données. Alors... Il y a bien un truc à faire.
Genre là, sérieux, j'ai pas d'idée. Je sais pas du tout où aller. D'ailleurs que je me rends compte que si je continue en fait, je retourne dans le manoir, ce qui est complètement con. En plus, il y a ces putains de macaques, j'ai pas envie. Que la chapelle, je vois rien du tout, ça se trouve j'ai raté un truc, mais si c'est vert, il me semble que si c'est vert, ça veut dire que la pièce est clean et que t'as tout fait. D'accord, en fait, fallait juste ressortir. C'est juste une chauve-souris. C'est qu'une chauve-souris géante. Oh putain. Oh! Lâche! Mais non! Putain! Mais je vais me faire déchirer. Quoi? Parce qu'en plus il y a des petites. Putain, en plus j'ai pas d'armes. Ça se trouve j'ai fait une terrible connerie. Et je me suis coincé en fait. Là, ça craint un max. Oh, je me suis vraiment coincé en fait. C'est ça. Alors pourquoi tout à l'heure je suis rentré, je suis sorti, il n'y avait rien. Il fallait vraiment rentrer, sauvegarder, sortir. Je suis tout seul. Je suis tout. Ah mais tu peux peut-être fuir. Parce que vraiment, j'ai rien d'autre que mon fusil à pompe, hein, les mecs. Hein. C'est beau, c'est beau. La pétanque. En plus, je me trompe de touche depuis tout à l'heure. Hein. C'est ouf. Mais quoi? Lâche-moi! Est-ce qu'il me met en attention après ça ou pas? Ok. À mon avis, c'est une espèce de. Ça veut dire qu'il est presque mort quand il invoque les petites. Il y en a trop. Beaucoup trop qui arrive. Je l'ai eu. Sale fils de pute. Et j'en fais quoi de lui?